Oyez, oyez! Messieurs, dames, le peuple réclame une vidéo. Nous demandâmes la force du deuxième meilleur rappeur blanc de l'histoire, la chevelure blonde, les lunettes et la fourrure. Je vous demande un maximum de bruit pour Julius! Julius! Wow! Julius! Sans nous, depuis ton même lit, le même goût! Julius! Julius! Eh oui! À partir des gens, je l'ai pas loué. Je suis plus sur tes côtes, pas méchant. Je veux m'amadouer. Allez, allez! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amis et Hugo. Et aujourd'hui on va se faire l'un des albums les plus attendus de cette année, d'un des rappeurs qui étaient les plus attendus cette année. Même si ça fait pas non plus très longtemps qu'il a sorti Dofa Vente finalement hein. Là, ça fait un an. Ouais. Julius, DCH, le scélérat, S19, Godze, tout ce que vous avez envie. Oh. Du coup voilà, le troisième album studio de SCH est enfin disponible. Voilà, il s'appelle Julius 2018. Il y a, comme t'as dit, c'est vrai que ça fait pas si longtemps qu'il a sorti Dofa Vente, mais en fait il y a eu tellement de changements dans sa carrière, changement de label. Il est parti de Def Jam pour aller à Rex 118 chez Warner. Création de structure, Maison Baron Rouge qui est son propre label maintenant. Oui. Chevelure blonde. Ouais, il est passé chez le coiffeur, il s'est dit maintenant je passe en mode Super Saiyan, je m'en bats les couilles. Bam, cette chevelure blonde incroyable. Voilà, physiquement il y a des changements, humainement il y a des changements. Je sais pas si t'as vu des interviews, le mec est beaucoup plus mature que n'importe quel daron de 40 piges, c'est incroyable. Alors qu'il n'a que 25 ans mec, il n'a que 25 ans, c'est incroyable. Sylvie Cimentaire aussi. Ouais, Sylvie Cimentaire, voilà, un peu plus. Bah, empereur, et là, cette pochette incroyable avec la fourrure. On dirait un empereur romain qui vient d'être nommé sur le trône. Donc, voilà, alors l'album fait 18 sons, si je me trompe pas. Alors, attends. Attends. L'album. Fait exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sons. Alors, l'album fait 17 sons. Alors, l'album fait 17 sons. On a eu 3 extraits auparavant. Ça a commencé par Mort de Rire qui a été clippé. Ensuite, on a eu Auto et Pharmacie. Pour établir un petit peu la carrière de SCH, pour récapituler un petit peu la carrière, A7, mixtape désormais classique dans le rap français. On a eu aussi Anarchie, premier album studio, Dofa Vente l'année dernière et la Julius. Quelles sont tes attentes pour cet album? Classique. Ah oui, tout de suite là. Classique. Ouais, bon après le classique on saura après plusieurs années, après du temps. Mais du moins je veux qu'à la première écoute, je sois retourné. D'accord. Je veux qu'il m'embarque, en fait c'est ça, je veux vraiment voyager dans un film de mafieux. Je veux que de bout en bout on ait une ambiance homogène et je veux que je pense que les prods vont vraiment être au rendez-vous et j'attends surtout que SCH les sublime avec son babou, avec ses punchlines, avec ses mimiques, avec son flow. Je veux vraiment quelque chose de puissant. Ok. Et toi? Moi j'attends aussi un très bon projet. Moi je trouve que Dofa Vente était vraiment un bon projet, mais que les gens n'ont pas forcément su saisir la qualité de celui-ci, ses prises de risques réussies. Pour moi Dofa Vente c'était vraiment un très bon album. Après voilà, si il peut faire quelque chose de
d'homogène, avec un fil directeur, un peu ce qu'on a connu dans les années 2000, tu vois, ces albums avec des skits, des interludes, parce que quand on regarde les tracklists, la tracklist, on voit qu'il y a des skits, des interludes, une intro, une outro, donc s'il peut suivre un fil directeur, putain, mais là, c'est... Ouais. T'es tout béni, tu vois, parce que en vrai, il y a très peu d'artistes dans le rap français qui peuvent faire un album... conceptuel. Dans un concept, exactement, suivre un fil directeur pendant 17 tracks, tu vois. C'est vrai. On a quand même un featuring. Nino, ouais. Monsieur featuring de l'année, le Monsieur le Hookmaster hein, de 2018. Exactement. qui est un peu dans la tourmente en ce moment, mais c'est pas très grave. Il ah oui. Oh, ça arrive. Ou... À la prod, on retrouve évidemment beaucoup de Katrina Squad. Guilty. Ouais. Pyroman. On retrouve Noxious, Blow Digital, Double Tess. Et Uslim, Tony Beats, et voilà, c'est Keza aussi. Ah oui, Keza pour pharmacie. Ah là, exactement. Donc, c'est parti pour l'écoute de Julius. D'ailleurs, il y avait aussi pour la promo le freestyle à Skyrock. Ah oui, oh là là. Qui était très très lourd, alors j'espère que ce titre se retrouvera sur l'album. Sans plus attendre, on s'écoute Julius DCH, Let's Fucking Go. Et on commence par le premier titre, intro, le déluge. Oh là là. Allez. Ouais, là, ça, j'ai remplacé la serviette par incroyable. Le foulard, mec. Intro, le déluge. Allez. C'est parti. Qu'est-ce que vous espériez? Un gentil petit minot. Les loups font des loups. Et basta. Pour leur prendre. Ici, la terre, les murs, aucune seule odeur, la sienne. Je recherche à former les mythes, qu'on entable à nos tables et que le train nous évite. Regarde froid noir et vite, comme si avec du feu dans nos cœurs et nos tripes. J'étais petit sur un vélo, j'ai grandi à présent, je peux tarter les plus grands, je peux chiffler les villes. Maman peut ouvrir ses rideaux, y'a tout ce qui m'en va à la piscine. Tu vas voir qu'il y a plus fou. Je parle au monde de la nuit de jour, je parle au monde de la rue toujours. Tu seras jamais un monde de barons rouges et jamais plus haut que ma ceinture. Ils ont foutu mon cœur dans une poupée Vodou. Tu nous connais mieux vaut qu'on discute, personne va raqueter S. Va niquer ta mère. Tu nous connais mieux vaut qu'on discute, je passe dans un TTRS. On sort des tempêtes, c'est le bus. Je pensais il allait chanter à la fin là. Alors ce début de Julius. Écoute, on est vraiment dans un album film, c'est-à-dire qu'on a la narration au début. Donc je crois que je me trompe pas si je dis que c'est le mec qui fait la doublure d'Al Pacino dans les films. Je crois qu'il en avait parlé, CH. Donc voilà, la narration est super, super équivoque, quoi. Il parle de Julius qui grandit et qui a les dents de plus en plus longues et voilà, donc c'est très bien amené, je trouve que c'est très bien écrit. Ensuite t'as cette deuxième track du coup, bon, qui est la première vraie track de l'album, donc VNTM, c'est ça. J'ai reconnu clairement c'était l'intro en fait, enfin c'était le passage qu'ils avaient mis là sur les réseaux sociaux où il est en fait dans un studio, ouais. Et il pose dedans et du coup c'était la même instru. Après voilà, c'est vrai que c'était plus long, j'ai bien aimé le flow, j'ai bien aimé les intonations, j'ai bien aimé la référence à je crois que c'est dans Anarchy qui dit ouais maman ferme les rideaux, y a ça tire en bas, tu vois. Je voyais le Toshi calmer l'écran, y'a des crimes en bas, maman, tire les rideaux, plante en floraison sous le nez. Et là il dit maman ouvre les rideaux, y'a la piscine en bas, tu vois. Genre après avoir vécu toute la montée du hustler qui est recherché, qui a des ennemis, etc. Maintenant il les a vaincus et du coup y a plus personne qui vient le faire chier, c'est lui l'empereur, c'est lui qui a la piscine, c'est lui qui a la réussite, quoi. Exactement. ouais voilà, sinon j'ai kiffé l'instru. Voilà, Guilty c'est vraiment quelque chose d'agressif, j'aime bien, c'est violent, tu vois. Il y a un côté un peu générique aussi qui me plaît. Tu sais ce côté générique qui me fait penser à quoi? À au Kiss sur Grand Paris. Ah ouais, franchement penser à ça.
Et puis j'adore aussi cette utilisation des chœurs, tu vois, t'as l'impression que t'es dans une église et t'as SCH en face de toi qui trappe son 16, tu vois, ouais. Donc c'est lourd. Ouais, pareil, exactement. Bah déjà, l'introduction, comme tu l'avais dit au début, dans ton intro, on avait sûrement quelque chose de scénarisé jusqu'au bout. Et moi j'adore ce fait de l'artiste qui se fait introduire par quelqu'un d'autre sur son album. Moi évidemment ça me fait penser à l'album Red de The Game, sur lequel on retrouve Dr. Dre. Dr. Dre en narration. Exactement, en narration, et qui bah, c'est exactement la même chose sur l'intro. Il parle de la naissance de The Game, le fait qu'il ait grandi à Compton, et je trouve que bah, ça fait écho à ça, sauf que là on est plus dans un, je dirais, un genre un petit peu plus héroïque, tu vois, un registre un petit peu plus héroïque, yeah. Parce que il y a le père qui est né dans le Vésuve, lui il est né dans un bain de sang, on raconte la naissance d'un héros herculien, j'aime bien cette connotation en fait qui colle à la couleur de la pochette de l'album et de ce qu'il a voulu nous présenter dans sa promotion. Ensuite, VTNM, j'aime bien, je trouve qu'on a un SCH très, très percutant. Moi ce que j'adore, je suis complètement d'accord avec toi avec l'instru et tout ce que tu as dit sur SCH, je rajouterai les variations de l'instru sur certains passages d'SCH où il y a le côté générique parfois qui se retrouve en retrait et on a je crois parfois des violons, du coup on a quelque chose qui est très évolutif et qui colle au thème du cinéma, au thème du parcours d'un héros dans sa quête. Voilà. Ok. Prochain titre, Pharmacie, donc produit par Keza, qu'on avait déjà revu sur la chaîne. C'était ni mon ami ni mon ennemi. J'allais gagner, j'allais taille. Dis-moi quelle devise a pris mon âme. Dans tes yeux, j'ai vu la flamme. Je fais un disque et je l'éteins. Elle s'est fait la pharmacie. Je tombe le buffet, c'est un tatami. Micro MMS et je la fais attendre. J'ai confiance, mais je vais recompter. Les mots valent mieux qu'un bordel sur la tempe. Mais je vais pas m'en persuader. Pharmacie, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? C'est effectivement, comme on l'avait dit, un titre d'album qui passe vraiment dans le flow d'une écoute de tout un projet. Pourquoi? Parce que c'est très posé, c'est très. En fait, c'est très mood, en fait. C'est une ambiance. C'est un mood et du coup, comme on est sur quelque chose qui n'a pas vraiment un gros highlight façon tubesque, mais qui a quand même une certaine profondeur au niveau de l'instru, au niveau de l'ambiance, bah sur un album, clairement, ça passe très bien et là, c'est le cas. Très bien. Allez, du coup, on enchaîne Tokaref. Ouais. Tokaref, produit par Katrina Squad. Minuit en ville, un 536, et c'est pas les Daft Punk. Le putain nourrit de la pointeuse, le courant d'air froid du vestiaire. Tu me paies mes supplémentaires, dehors je me suis jamais laissé faire. Tu te vends au cric, tu perds. Rouler qu'une paire d'aide, j'ai pas truc de mentir, j'ai loin le février. Tu sens les chemises, on vient des feux. Tu ferais pour un teuf, un togaf pour la teuf. Une mère à l'abri, ils sont morts dehors des doutes. Dans l'intime conviction, des fois les doutes suffisent. Regarde-toi la commission, le PGP séduise. Les couilles, la condition, l'époque et l'ambition. T'as cette guitare méditerranéenne qui donne l'ambiance de la track. Et en fait, au fur et à mesure, SCH, son couplet s'intensifie, se dramatise. Et j'aime aussi son delivery en fait, tu vois. C'est qu'il est très dans l'interprétation. Au début, il est calme, et puis après, il s'énerve. Tu sens que c'est plus pas des remords, mais une fatalité, tu vois. Genre, putain, je peux rien faire. Je peux rien faire par rapport à ça. Et du coup, on l'entend dans sa voix, il est peiné un petit peu. Et j'ai bien aimé l'interprétation de ce morceau. J'ai aimé aussi le fait que le morceau soit court, tu vois. Parce que ce genre de morceau. En fait, ça a un impact, mais que sur une très courte durée pour moi. Et quand tu vas crescendo, alors vas-y, tu vas jusqu'au bout, tu vois. Mais je trouve qu'il a bien géré son delivery sur tout le track. Ouais, tout à fait, totalement d'accord avec toi. Prochain titre, Interlude 420 mètres, produit par Katrina Squad. Un Tokaref pour la paix. C'est vrai. Parce qu'un seul de ces projectiles pacifie n'importe quel lieu. Entre le bout du canon et la tête du juge, il y en avait 5. Et à peine 3. Pour le préfet,
Allez, je vous épargne les calculs. Où son père avait échoué, la survie. Et chacun de ses actes honorait sa mémoire. J'enchaîne sur Otto. Oh là là. Ah, mais quel enchaînement incroyable, putain. Fils de pute, on tire, on va parader. J'avais pas un rallye. Sur un banc, j'ai grandi, là, je viens de parader. Je passe le bras de canon dans mon katane. Mon baron s'appelait Otto, il aimait pas les poutos. Mon pote, on gravit, on s'arrose. Ici, tout pour la famille, cause à l'ostre. J'tourne en ville, faleta, les films ont déteint. Nous, on prend la haine, on pétain. Le scène, c'est les jeunes dans les paillettes. T'en as qui, personne ne m'a promis demain. Il a pas encore fini son clip, ouais, je vis dans le temps passe. Le temps passe, le ciel nous fait des dessins. Je tourne en ville, faleta, les films ont déteint. Oh, y'a Tommy Pizzu. Oh là là. Oh là 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 là. Bon bah le morceau prend encore beaucoup plus d'ampleur sur l'album. Grâce à l'interlude. Grâce à l'interlude. Et justement, je voulais revenir sur l'interlude avec le bail de héros, etc. Parce que tu vois, quand il dit qu'en gros, il avait réussi à faire ce que son père n'avait pas fait. Ouais. Et là où il a échoué. Voilà où il a échoué. Et aussi, il dit, ouais, Otto, donc quatre lettres qui avaient provoqué la fureur avant, ouais, etc. Bah, en fait, ça me fait grave penser à une partie de la légende du roi Arthur. Pourquoi ? Parce que, en fait, en gros, le père du roi Arthur, donc c'était Pendragon. Et c'était donc dans la légende, hein, donc un roi de Bretagne qui n'avait pas réussi à unifier toute la Bretagne, ce que le roi Arthur a réussi à faire après, mais qui était très connu par le fait qu'il était très violent, très agressif et genre implacable avec ses ennemis, donc un peu comme sont le père de SCH et décrit Otto, ouais. Otto, tu vois. Et je trouve bah, que ça rejoint, enfin ça recoupe encore une fois avec le délire légendaire, le délire héroïque et limite un peu mythologique qu'il est en train de mettre dans l'album, tu vois. C'est ça. C'est exactement ça, et en plus, bon bah pour ceux qui savent pas, SCH il a perdu son papa l'année dernière, donc quand il a sorti Deo Favente, et c'est vrai que mélanger en fait la fiction et des faits de vie réelle, ouais, tu vois, c'est très fort. Et c'est pour ça qu'on dit que SCH est un personnage atypique dans le rap français, parce que c'est un mec qui peut se permettre de dire des choses tout en mêlant la fiction. Et je trouve qu'il est beaucoup plus intimiste quand il parle de choses qu'il n'a pas forcément vécues, mais il le raconte tellement bien. Mmh. Et en fait, il habite, tu vois, ce personnage. Ouais. Et quand il parle d'Otto, t'as vraiment l'impression que c'est son daron, alors qu'en fait, c'est juste un personnage fictif. Mais pour le coup, il a vraiment perdu son papa. Donc... là, encore une fois, artistiquement, c'est un chef-d'œuvre. Tu en vois, fait, genre... le fait qu'il réussisse à utiliser des drames de sa vie réelle pour les transformer en fiction en dans fiction, sa musique. Exactement. Et ouais, comme t'as dit, derrière, c'est vrai que ça fait très mythologique. J'adore cette utilisation de violon sur le dernier morceau, là, Otto, sur la fin. Comme je te disais, ça dramatise le son à mort, tu vois. Ça fait quelque chose de beaucoup plus cinématographique. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu faire grâce à cet album. Les interludes, l'intro, l'outro. On parle même du tome 1 qui est présent sur YouTube. Une espèce d'épisode oui, de Julius. Je l'ai pas regardé encore. Moi, j'ai pas regardé, je voulais pas me spoiler, ouais, tu vois. Je suis sûr qu'il y avait des instruments. Bien sûr. Et du coup, voilà, en fait, le projet est vraiment travaillé de A à Z, que ce soit au niveau de la musique, au niveau du format et même au niveau du personnage SCH, tu vois, comme ouais, on a dit, il a changé physiquement. Et quand tu regardes son Instagram, mec, il a que des photos, il est en mode vengeur, je vais venger mon daron, tu vois. Ouais, exactement. Du coup, sur les prods, il y avait aussi Tony Beats qui a produit Dis-moi que tu m'aimes de Nino. Donc évidemment, hein, Katrina Squad et Gulti dessus. Et DJ Ritmin, c'est quelqu'un qui a produit, celui qui a produit Mamacita de Nino et Dozo de Caris, Vegeta de Caris. Ah ouais, ouais, comme quoi, hein. Putain. Prochain titre, Sky Dweller. Qu'est-ce que veut dire Sky Dweller? Bah, un dweller, c'est quelqu'un qui se... Je sais pas, quelqu'un qui pleurniche. C'est... Putain, c'est un bail avec le fait de se plaindre. Ah bon, ok. C'est une montre. C'est une montre. Une montre Rolex. Ah, c'est Rolex, ok. Et sûrement donc celui qui vit dans le ciel alors. Ok, très bien. Allez. Au fond, j'étais jeune, moi je voulais voler autour du monde.
sky in your life. J'ai avancé mes rêves. Maintenant qu'un vrai événement. T'as mis, c'est pas si Pavarotti va débarquer sur le. Oh là là, la musicalité de SCH sur ce morceau, putain. Ouais, je disais, la musicalité de SCH sur le morceau est abasourdissante. Ah oui, c'est ça, exactement. Parce que il est à l'aise, quoi. Parce que c'est des mélodies qui lui viennent comme ça. Et alors oui, il y a la guitare qui l'aide vraiment à dompter la prod. Mais je trouve que les bacs, les intonations, putain, les bacs sont glaçants, mec. Tu vois, putain, mais c'est le feu atomique. Et ouais, et puis il y a que lui vraiment pour peindre ce genre de tableau dans le rap français, frère. Tu vois, quand il parle de drame en bas de chez toi, mais tu sais, c'est dû à la mafia, etc. Enfin, il y a que lui, frérot. Tu vois, il est dans son propre game, c'est en fait. Plus élaboré. Il a créé son propre style, sa propre lane. Et pour moi, tu vois, ce morceau-là, c'est un morceau logique dans cet album. Parce que on sent toujours une espèce de fatalité dans les morceaux, tu vois. Et SCH est super, pas émouvant, mais il arrive à transmettre quand même des émotions quand il parle de ce sujet-là. Ouais. En fait, on dirait que c'est une pièce de théâtre de tragédie. C'est vrai. L'album. On dirait une pièce de théâtre de tragédie, ouais. Exactement. Ouais. Mais c'est ouf, en fait, à quel point la fiction peut faire dire des choses. Mec, en gros, mec, je me dis quoi, et là je vais très loin, je sais, mais je vais le dire quand même. Gros, on pourrait trop faire une putain de comédie musicale avec cet album, en fait. Ouais, mais comédie musicale, ça fait tout de suite parodie. Non, mais parce que c'est ce que les gens se disent. Mais gros, tu peux faire trop, ou un opéra. Ouais, plus un opéra. Plus un opéra. Gros, il y a trop les codes de la pièce du théâtre tragédie grec, gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, et attends, j'ai un autre truc à dire. Putain, j'ai pas les paroles. Attends, c'est Skydweller. Tu vois la manière dont c'est écrit, je suis désolé, tu vois. Il dit, rien qu'il sorte de l'ordinaire, des petits s'endormiraient, on te ligote en tortilla, les fantômes t'incendient, ouais. T'as l'impression qu'il écrit un roman, frérot. Mmh. Quand il dit la fille abasourdie, ouais, le chien m'a pas senti. Tu vois, j'en sais. J'ai vraiment l'impression de lire un roman. Ouais, non, mais oui. Non, mais je te dis, ouais. C'est limite, c'est une œuvre littéraire. C'est du rap, mais romancé, tu vois. C'est trop le feu. Ouais, et moi, ce que j'ai kiffé aussi au niveau des paroles, donc on avait vu, donc c'était une montre, la Skydweller, de Rolex. Une Rolex, et moi, ce que j'ai aimé, c'est parce que ça veut aussi dire, donc celui qui vit dans le ciel, et quand il dit, je vais la rejoindre sur le toit, elle a sa Skydweller, donc tu vois, le toit, le fait qu'il soit au-dessus, dans le ciel, etc. Et puis même, ce qui rajoute aussi à la tragédie, c'est quand il dit sous les yeux de Marie, toutes les prières de la major, on se retrouve à Saint-Pierre. Donc en fait, dans cette line, t'as de la religion. J'ai regardé le Saint-Pierre, en fait, c'est un cimetière à Marseille. Donc en fait, tu vois, limite, ça me fait penser à, tu vois, genre la statue de la Vierge Marie dans un cimetière avec de l'orage, de la pluie, SCH qui va se recueillir sur les tombes de son père daron. Ou de ses anciens associés qui sont morts et tout. Visuellement, il y a trop de choses, en fait. Gros, c'est un album, faut en faire quelque chose de visuel. Faut en faire une série, faut en faire un film, faut en faire un opéra, une pièce de théâtre, je sais pas, mais il y a trop matière à faire un truc légendaire avec cet album pour l'instant, en dehors de la simple écoute de la musique. Et ouais. On le dira plus tard, mais ok. Bon. Prochain titre, Facile. Toujours produit par Katrina Squat. C'était Katrina Squat là, Skydweller. Sur Skydweller, c'était Katrina Squad et Uslim. Uslim qui... Mais qui joue de la guitare, en fait? C'est ça que je veux savoir. Parce que le guitariste est excellent. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça se trouve, c'est Guilty, ça se trouve. Bon, allez, Facile, c'est parti. Musique des ténèbres, chien à trois têtes sans malaise. Uzi 45, As ACP, ma femme a tué ma base. Température loin en dessous, zéro.
ta voix reste fragile même dans 600 ans. Je touche mes royautés, je pense une somme pour les déloyautés. Je vais pas me contenter de juste les écarts. Saint Laurent, Katana, Gucci, Versace, Prada, Chuchi, Angela, Saint Laurent, Katana. Dans de l'espace, dans l'enculé, j'sors dans un king size, j'suis tombé sur un BZ. Oh lolo. Un 3 au bain de Marseille, 14-15ème, manette à mousse noire, chacun son CZ. Que dire. Une prod un peu plus sombre que ce qu'on a eu depuis le début, à part VNTM là. Oh là là, moi j'adore tellement... ce délire de d'intensification. Ouais. En fait, il est trop dans l'intensification sur cet album. C'est ça qui est bon, tu vois. C'est que l'interprétation elle est en crescendo. Et putain, c'est à dire que tout le titre, t'es capté, tu vois. Ouais. T'es captivé par le titre. Parce que lui se donne les moyens de rendre le truc vivant jusqu'au bout. C'est vrai qu'il a repris le gimmick, enfin, plus le flow de Migos sur Bad & Bougie sur le refrain. Raindrop. Non. Mais au début, j'étais là, genre, putain, mais il a repris d'où ce truc-là. Tu vois, tellement c'était bien intégré et bien. Bien réinterprété, ouais. En fait. Il l'a pas pris vulgairement, tu sais, genre c'était ouais, vraiment bien incorporé. C'est le truc de Migos et exactement. Tout. Exactement. Ouais. Et en plus, cette voix un peu macabre, tu sais, je me suis dit, putain, mais merde, j'arrive pas à retrouver. Alors que c'était Migos. Ouais. Et du coup, bah, ça, encore une fois, et moi, c'est ça que j'adore, c'est que putain, le fond est au service de. Enfin, la forme est au service du fond. Tu vois, tu parlais du fait que ça soit plus sombre. Et bah voilà, tu vois, dès le début, musique des ténèbres, chien trois têtes sans la laisse, donc qui fait référence à Cerber. Ouais, le chien qui, qui garde la. Qui est gardien des enfers, donc qui empêche les morts de s'échapper de l'enfer et les vivants de rentrer dedans. Ouais. Donc en gros, il dit sans laisse, ça veut dire que. Bah, SCH, il tient plus les. Il s'est fini, genre, ouais. Les morts, les vivants, tout se mêle, et là. Encore une fois, à quel point je suis un goat, je plante Excalibur, l'épée du roi Arthur. Voilà. Voilà, mais... C'est référencé. C'est très bien référencé. Et moi, j'adore le fait que ça soit très référencé niveau mythologique, parce que c'est quelque chose que j'adore. Et j'aime bien le fait que j'allais dire que Julius. Ouais, ça veut dire que oui, ça marche. C'est Julius. Ouais. Mais tu vois, au lieu de dire SCA, j'allais dire que ouais. Julius, il est repris ça à son compte. Et bah, ça te montre à quel point, ouais, bah, ça y est, je suis pris, je suis call up dans l'album. Je suis call up dans l'atmosphère. C'est en fait. Julius. Il a réussi. C'est toi, c'est Aminus, et moi, c'est Ugus. C'est le feu. Non, mais c'est le feu, mais. Tu vois, et j'aime trop les albums concept. Et c'est pour ça qu'on tanne les gens avec les albums concept, parce que c'est quelque chose qui se fait plus. Malheureusement, dans le rap français, on en a trop peu vu, en fait. Et que SCH. Qui est un des artistes les plus talentueux qu'on ait eu dans le rap français depuis très longtemps, le fasse, mais chapeau, tu vois. Et faudrait que ça permette à d'autres artistes de se dire, bah putain, moi aussi je peux le faire. Ouais. Parce que c'est clairement quelque chose qui peut rester encore dans le temps, ça. Tu vois, c'est atypique. Et bah du coup, là, il y a le feat avec Ninho. Exactement, oh, le feat avec Ninho, prêt à partir, produit par Katrina Squad et Gulti. Allez, vas-y. Prêt à partir. Putain de merde. On dirait les sirènes qui appellent Willis. Pourtant, il faut les mêmes erreurs. La coco est pure. 90% et tous les clients. Prêt à partir pour mon honneur. J'ai perdu mon cœur, j'attends un donneur. J'ai traîné la moitié de ma vie. Je sais pas si c'est un synthé ou une voix. C'est un truc de ouf. Et l'orage qui tombe là. Putain, le mec. Franchement, là, c'est comme si depuis le début la température était lourde. Tu sais, comme quand il fait lourd toute la journée. Et tu sais que le soir ça va péter ou dans la nuit, tu vois. Et c'est un peu ce qui se passe là, tu vois, avec. Tout, tu vois, le rythme de drums, ça fait vraiment genre tonnerre qui tombe à chaque point de rue, etc. Moi, ce que je trouve vraiment bien fait, c'est que, tu sais, quand tu fais un album concept avec une ambiance très particulière, donc là, vraiment sur les ambiances mafioso et le fait que ça a été vraiment fait
développé pour SCH, c'est toujours casse-gueule de décider de, d'avoir un feat sur l'album. Pourquoi ? Pas parce que le feat il peut être moins bon que l'artiste ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'en fait il y a une identité musicale dans l'album qui est très marquée. Et avoir un featuring, bah, en fait ça peut faire redescendre le truc parce que bah là, c'est pas l'identité musicale de l'artiste qui va être appelé en featuring. Et en fait ce qui est très bien fait sur ce titre là, c'est que Ninho est très bien utilisé, que ça soit dans sa voix, que ça soit dans la manière dont il pose, surtout le fait que en vrai la facilité sur ce titre ça aurait été de poser avec un flow rapide, tu vois. Et c'est pas du tout ce qu'il a fait et j'ai grave apprécié. C'est pour ça que pour moi ce titre c'est une putain de réussite. C'est une putain de réussite. Comme t'as dit, Ninho qui se met au diapason de Julius et j'adore le fait qu'il ait écrit un couplet dans le thème. J'adore, par exemple, je vais te citer des lines, tu vois. J'ai fait un rêve où j'avais 18 gamos, une baraque à 4 étages, mais la mort m'a rappelé qu'elle met tout le monde d'accord et qu'on n'en portera rien après. Real. On a aussi La Coco est pure, et après t'as SCH qui fait à 90%. Ouais, c'est trop bien, j'ai envie de dire, il est derrière lui et tout. Et tous les clients la veulent, prêt à partir pour mon honneur, j'ai perdu mon cœur, j'attends un donneur. Mais en fait, tu vois, il est encore dans cette fatalité, Ninho. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'il est dans le... Non, SCH, je veux dire. Non, là, là c'est aussi, le couplet de Ninho, ça. Okay. Et du coup, ce que j'aime, c'est que SCH, pendant tout l'album, il a transmis des émotions, il a transmis ses peines, il a transmis même une sorte de fatalité. Et ce que j'aime, c'est que Ninho s'est mis à la même longueur d'onde que lui, tu vois, pour écrire ce couplet. Et le couplet, du coup, fonctionne avec ce que SCH a performé sur ce morceau. La prod est vraiment bonne. Mais ce que j'adore, en fait là j'ai préféré vraiment la performance des artistes. Tu vois. C'est très rare que je préfère la performance d'un artiste ou des artistes sur une instru, surtout dans le rap français. C'est dire à quel point ils m'ont vraiment transporté lyricalement et au niveau de l'interprétation. Ok. Fous la coque dans son bocal, quand l'on va faire les merdes, on a ramassé ta gueule. Quand t'es parti mon merde, à fois que je vise les tassimoles, je remplis de la maison ma vie. Darling, sur ma rêve, c'est un rapide, sur mes nez, c'est un rapide. Tu traînes dans les plages, j'suis toujours en veille, justice, ça c'est viral. On va même tu nous mets du champagne, j'sais qu'elle va revenir, et j'sais qu'elle va rien me dire. Demande-moi de rien, ce soir tu nous mets qui ta faim. Je vais passer, écoutez. J'en sais même plus. Oh, je sais plus. Oh là là, avec le bout de cathédrale. Dites-nous, pour ceux qui avaient beaucoup réécouté le single quand il était sorti avant l'album, si cette fin d'instru était déjà présente. Je m'en souviens plus. Bonjour, un, deux. T'as rien de spécial. Bah non, en plus, c'est un peu le même constat que j'avais. Bon, effectivement, le mix a été revu. On entend un petit peu plus la voix d'SCH par rapport à l'instru. Si je peux dire qu'effectivement, c'est dans la continuité de Prêt à partir, donc du déchaînement des enfers. Et puis, c'est intéressant parce que ça arrive au milieu de l'album. Donc un peu comme la construction, comme tu le disais, d'un roman avec les péripéties en fait qui arrivent après qu'on ait posé le décor, qu'on ait introduit les personnages, etc. Tu vois. Et du coup, putain, ouais. Ah, donc c'est vraiment romancé le truc. Bah ouais, je pense que c'est vraiment fait exprès. Hein. Tape. Hey, les couilles à la voix grâce du père, on cherche le fric par la wifi. Je rendrai ta vie moins morose. Chérie, si tu m'astiques, j'ai pas ce que t'as rigolo. Tes clients sont les négatifs. C'est pas toi qui crie à ça. Moi, je suis l'envers et prêt. Ça t'a fait. Avant de partir, tu si rose. Ivre, ça ne suit. Ouais. Attends, franchement, moi j'ai. En fait, le titre, il m'a. J'ai l'impression d'avoir été dans une tornade, une tempête incessante. il se passe énormément de choses. J'aime bien le titre parce qu'il est très, imprévisible. Je m'attendais pas au pont là, très chanté, vraiment pas du tout entre guillemets rap. Avec, tu vois, ce thème de. En fait, tu vois, quand SCH
il prend le thème de l'alcool dans ses titres, bah en fait il y a toujours une particularité quand on sait donc, que son père était alcoolique et que voilà, hein, c'est un peu ce qui a eu raison de lui, hein, quand t'écoute La Nuit sur Deo Favente. Donc je trouve que en fait, mais j'aime bien en fait limite un peu le détachement avec qu'il utilise pour en parler, tu vois, de cette ivresse et de ce que l'alcool peut lui procurer quand il dit qu'il a trouvé remède à ses névroses. Donc il dit qu'il a trouvé remède à ses névroses, mais en même temps tu sais que ça a été une maladie pour son père. Donc je trouve que tu vois c'est assez en fait c'est très, tu vois, quand il dit des choses comme ça, je trouve que ça c'est lourd de sens, tu vois, et c'est ça que j'aime bien. Ok. Bah j'ai bien aimé. En fait je trouve que ce côté apocalyptique, ça lui va à ravir, tu vois. Ce genre de prod, par exemple, on pouvait entendre aussi la même style sur Anarchy, par exemple Himalaya, tu vois, c'est vraiment des grosses, des drums super profondes avec des synthés un peu électroniques. Donc c'est ça lui va parfaitement. Et puis comme t'as dit, il est vraiment habité par le propos. Je pense que bah forcément tu racontes mieux les choses que quand tu l'as vraiment vécu ou t'as eu un lien avec ce truc là. Donc ouais, l'alcool aussi c'est quelque chose malheureusement qui est, c'est un fléau, tu vois. Certes ça te permet de t'évader, mais bon, comme si t'en abuses derrière, ça peut être tragique. Donc voilà, après lui comme il a dit, j'ai des migraines, enfin voilà, ça calme ses névroses. Mais en gros, c'est comme si il utilisait l'arme qui avait tué son père pour se soulager, tu vois. Donc, franchement, le morceau, il est vraiment ouf. Après, vraiment, au premier écoute, c'est archi chaud de le prendre. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. C'est comme t'as dit, ouais, c'est une couleur vraiment exceptionnelle. Et putain, ce passage chanté, c'est vrai que c'est vraiment beau, quoi. Prochain titre, Je t'en prie. Produit par Blow Digital. Une taille en ville, je vais rentrer mine. Ça comporte pas pris un coup. Même que quand tu tombes, t'as les vertus sous les gris. S'il te plaît, la pierre est d'elle, je crois qu'on y est. J'ai toutes les couleurs en billet. Tous mes proches pas en photo. La haine et la mort, c'est gratuit. J'ai l'horizon, tes yeux qui brillent. Quand le son fait. Est-ce qu'elle fait semblant? Est-ce qu'on reconnaît un traître à la moiteur de ses mains? La question c'est, est-ce que quelqu'un le verra mourir? Laisse enchaîner. J'entends que s'élève le jour sur le rivage. Mes poids de son qui parle. Au son des guitares. Si la chance va me sourire, je veux pas tellement savoir. J'ai porté mon fardeau, j'ai porté mes soucis. Tu sais d'où je viens, c'est hard. Tu n'as qu'à tenir ma main. Les temps, t'as tout fait pour y être. On a tout fait pour partir. Tu connais ma bande. On veut tenir le center. C'est tout pour la bande. Laissez-moi partir. Ouf. Eh ben, on a enchaîné trois tracks. Bon, il y a eu une interlude entre les deux. Voilà, putain, c'est compliqué. Il y a tellement de choses à dire. Déjà sur le morceau, je t'en prie, là. Tu vas pleurer. Ouais, mais c'est en fait, c'est, t'as l'impression que genre c'est la descente de l'alcool, tu vois, quand il était sur Ivresse et Hennessy. Ouais. Genre là, il est en bad total. Et comme t'as dit, putain, mais l'interprétation du sonore, oh, c'est trop, frère. Les variations de vocales, tout. Enfin, en gros, c'est le king de l'autotune en solo, frérot. Tu vois, sans parler de PNL, évidemment, mais. Putain, faut se rendre compte quand même des les calques différents de vocales qu'il utilise sur les tracks pour vous donner des émotions, ce mec là. Il est vraiment sur une autre planète. Et j'ai franchement, en gros, je crois que c'est le projet où SCH est le plus diversifié en termes de vocales et en termes d'interprétation. Ouais, dans les intonations, dans l'agression, dans la manière de délivrer ses phases, tu vois. Il a jamais été autant habité que là-dessus, tu vois. C'est vrai qu'il est habité, c'est le terme.
Et il est en train de jouer son meilleur rôle, en fait, sur Julius. C'est vrai. Et après, t'as cette interlude, mais alors tellement incroyable. Comment ça s'enchaîne trop C'est bien. Incroyable. Ça s'enchaîne vraiment trop bien, c'est ce souci. Mais c'est... Oh là là, c'est ces petits détails qui te font qu'un album devient en passe de très bon à excellent. Tu vois, ce petit souci, en fait, de faire un lien entre chaque titre... Mais un lien qui démarre au début et qui continue, pas un lien qui est juste entre la fin et le début d'un morceau. Là, le lien, il est tissé depuis le début de l'album et c'est cohérent. C'est une évolution logique qu'il y a dans les instrus, qu'il y a dans ce dont il parle SCH. Quand tu dis, voilà, là, il est plutôt dans le côté bad, genre après avoir s'être bourré la gueule et tout. Enfin, c'est tellement bien écrit. Et cette interlude qui est juste exceptionnelle. Mais attends, mais les interludes sont incroyables. Et en fait, quand les interludes sont bonnes, t'es obligé de te prendre le truc derrière, tu vois. Et quand il dit ouais, son seul, enfin, en gros, son arme, c'est ce qui restera le plus fidèle, tu vois. Gros, c'est normal. C'est ton Beretta qui est le plus fidèle. Que ce soit tes amis, même tes proches ou ta famille, il n'y a qu'un truc qui va rester. C'est le Beretta. Et après, il dit quoi? Il dit Julius, on l'a vu naître, mais est-ce que quelqu'un va le voir mourir? Ouais. Là, c'est tellement épique! C'est trop bien parce que, genre, en gros, on l'a vu mourir, genre, quand il était petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. On l'a vu naître. Et on l'a vu naître, et du coup, bah voilà, il était encore innocent, et là, maintenant, avec tout ce qu'il a pu faire, dans tous les drames dans lesquels il était, il va sûrement mourir dans une allée seul. Bah, moi c'est un peu comme ça que je le vois. Ah, tu le vois comme ouais, ça. Ouais, genre tué par ses ennemis, genre, on balance son corps. Genre personne va le pleurer, genre. C'est, non, pas personne va le pleurer, mais personne va assister à sa mort. Il va avoir une mort assez... Genre seul, la solitude en fait, tu vois. Pour moi dans ces paroles-là, c'est la solitude qui transparaît. Ouais, d'accord. Et peut-être que vu que tous les gens à côté, autour de lui sont morts, c'est lui qui les a tous enterrés, pour l'expression, bah il lui reste plus personne et il va mourir seul. Mais moi, au contraire, je pense au contraire que, genre, c'est comme il a, comme t'as dit, genre, il a fumé tout le monde autour de lui, qui peut le tuer? Tu vois ce que je veux dire? Ou dans ce sens-là aussi, il ça est peut plus, être ça. Moi, je le vois plus comme une certaine d'invincibilité, en ouais, fait. Peut-être, ouais, ça peut être vu comme ça aussi. Après, ça peut être vu comme ça. On sait pas, c'est l'album ça nous réserve une surprise. C'est ça qui est bien. Et puis après, t'as le code, alors, chapeau. Bas, très très bas. Quand on parle d'Pyroman, d'adaptateur, gros. Parce que alors lui, il a appris ce qu'il sait faire et puis il a adapté en rajoutant ses petites guitares, en rajoutant tous ces petits éléments qui font ce qu'est l'album depuis le début musicalement et en nous faisant un banger mafiosi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, un petit peu lancinant avec un espèce de gimmick. Que SCH a repris et le ouais ouais ouais. Ouais, il essaye c'est un celui peu de Damso sur. Ouais, 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 ouais. Non, c'est de Kalash plutôt. Sur Mwakamoun. Sur Mwakamoun. Voilà, mais on a reconnu un petit peu la teinte Mwakamoun, mais très, très italienne en fait, sur ce titre. C'est lourd ça. Et ouais, c'était vraiment bien foutu, putain. Mais quand en fait les producteurs ils se mettent au diapason, moi j'aime trop. Parce au que service. C'est... Ouais, c'est... ouais, en fait c'est du talent, frère. C'est du génie, tu vois. Et putain. Le pari est réussi. Il nous reste encore 3-4 morceaux. Il nous reste encore 1-2-3 morceaux. 3 morceaux ouais. Bah vas-y gros. Toutes les instrus elles sont cohérentes, c'est homogène, le propos il est homogène, il y a une évolution, il y a une ligne directrice. Je pense pas que ça va se casser la gueule dans 3 titres. Non, je pense pas non plus. Prochain titre, Incompris, produit par Katrina Squad et Noxious, donc qui avait produit Wesh le Gang de Niska, Wesh le Gang de Barakadama, X-Men de Rinka. Oh, le mouton était pas mal. Hein. Allez, let's go, Incompris. Maman s'inquiète, mais maman t'inquiète pas. Si je perds de tête, je vais revenir au bac à KK47. Je brise mes phalanges contre un mur de l'opaque. Je réfléchis, je vais juste faire regretter d'être 600 000. Moi je suis les frères sous un soleil de plomb parce que nous on meurt jeune comme Laurence d'Arabie. Je sors mon ID, police aux frontières me demande la photo. Mais derrière ils veulent pas laisser passer les dits. J'ai tout compris. C'est là, 19. Un morceau un peu introspectif dans le texte, je trouve. Il y a des faits en fait de sa vie réelle et des faits qu'il a inventé grâce à cette histoire fictive qu'est Julius. Mais j'aime en fait ce mix en fait. Et c'est tout
Ce qu'a réussi à faire SCH sur cet album, c'est mêler la fiction avec des faits de vie qu'il a connus et d'en faire une histoire passionnante. L'instru est bonne. Là, c'est vraiment pour moi l'interprétation de SCH qui prend encore le dessus, surtout sur le refrain, tu vois. Ce vocal en tête de voix, là, my god. Et puis j'aime bien quand il dit... quand il parle de son père, j'espère que papa me voit du haut d'une étoile. Donc il y a vraiment une évolution par rapport au début de l'album où quand Otto est décédé, là voilà, et je pense que là il s'adresse vraiment à son propre père, tu vois, quand il dit j'aimerais qu'il voit ce que je suis devenu. Il parle aussi des faux amis, des ennemis. J'aime bien quand il dit ouais, je sors mon ID, police aux frontières me demande la photo, mais derrière ils veulent pas laisser passer Eddie, tu vois. Eddie, ça doit être son bras droit et qu'il a fait du sale. C'est un putain de film, mec. Ouais. Prochain titre, Ciel Rouge. Oh là là. Tous les produits en gamme. Oh! Quand je t'ai trouvé joli, c'était déjà trop tard. C'est pour ta playlist? Ah oui, je sais. Encore seul dans la tempête. Oh là là. Tempé les mains dans le sang. On fait des skis pour la déroulette. Ça sent l'ammoniaque et l'encens. Mais qui connaît mes problèmes? Quand j'ai fait comme si j'avais bien. En tant que j'en ai enfin au jour, je peux tuer pour tard. Je priais pour mes plans qui sont pris. J'aurais parti tout seul dans la brume si j'avais su mieux t'aimer. Oh, 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 sérieux, gros. Tu mets au refrain, gros, il groove tout ça, c'est fini, frère. Dans la playlist. Ça va tout de suite. Mais attends, dans moi, la playlist. J'ai une petite critique à faire par rapport à ce morceau. Je trouve que, en fait, quand tu fais ce genre de morceau, faut... Mec, il faut vraiment aller jusqu'au bout, tu vois. Il y a que les drums qui font upbeat. Et par exemple, le refrain, il est trop... Il n'y a pas de refrain, en vrai. Mais si, il y a une partie chantée, mec. Ouais, mais mec, faut que ce soit pop au max, tu vois. Ouais, mais après, ça serait peut-être sorti... Après, ça serait peut-être sorti de l'ambiance, ouais. Ils voulaient peut-être garder l'ambiance. Ouais. Mais parce que c'est... En fait, c'est frustrant, tu vois, t'entends des drums un peu ouais, pop années 80. En plus, il sait le faire, hein, parce qu'il y a des ambiances un peu pop sur Deo Favente. Ouais. Mais en fait, je sais pas si je préfère qu'il soit pas allé jusqu'au bout pour garder l'atmosphère de l'album ou si j'aurais aimé qu'il parte. Enfin, tu vois, donc je pense que peut-être c'est un titre qui s'écoute vraiment dans le fil de l'album et pas individuellement, parce que si tu l'écoutes individuellement, là tu vas te dire, oh, il aurait dû aller plus loin, tu vois. Mais moi je kiffe, hein, franchement, ce délire rétro et tout. Que ça soit ouais, le pattern de drums, la sonorité utilisée. Et puis je trouve que SH il se débrouille bien dessus. Donc bonne réussite. C'est Guilty, tu m'as dit dessus. Guilty, ouais. Oh là là là, franchement, vraiment lourd. Putain, et là on est plutôt sur la fin de Julius. Quand il dit on va mourir ensemble, ouais, mais tout seul. Je suis hors game comme un home run. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Donc là, il voit la fin arriver. Il voit la fin arriver. La mort s'approche. Ce symbole de ciel rouge. Ouais. On sait que le ciel est le reflet de l'eau. Et l'eau, quand elle est rouge, le ciel peut être rouge aussi. Donc pourquoi l'eau est rouge? Parce qu'il y a du sang dedans. Exactement, exactement. Mais c'est ça aussi qui fait qu'on a ce côté tout théâtral, comme on disait. Parce que, en fait, c'est le vocabulaire utilisé. C'est le vocabulaire qu'il y a dans les termes qu'il y a dans la tragédie, la mort, l'amour, la météo, tu vois, la météo qui en fait reflète finalement les émotions et ce qui se passe, tu vois. C'est ça qui est... Franchement, mec, c'est une putain d'œuvre. Hein. Dernier titre, Bénéfice. Et oui, à la fin, on fait des comptes. Parce qu'il faut payer les artistes à la fin de la représentation. Et si je peux rajouter quand même, parce qu'il faut pas l'oublier. Mais chaque gangster a une femme, d'accord. Et dans ce titre-là, Ciel Rouge, il s'adresse à une femme. Oui, c'est pour ça qu'il y a l'amour. Exactement. Je serais parti t'arracher la lune si j'avais su mieux t'éclairer. Donc,
Là, il a incorporé vraiment sa relation avec sa femme. Bon, fictive forcément. Hein. Mais voilà, c'est le gangster qui arrive à fin. Par exemple, tu vois, comme dans Training Day, là. Tu vois, quand il va voir Eva Mendes, il sait que c'est foutu. Bah oui, il le sait. Oui. Il sait que c'est foutu et il essaye de l'embarquer avec elle, tu vois. Et malheureusement, qu'est-ce qui arrive derrière? Il se fait shooter, il se fait détruire. Ah, quelle scène classique. Putain, la scène classique. Tout ce que j'ai fait pour vous et tout, comme ça. Oh là là, putain, Training Day, bordel. Allez, dernier titre, Bénéfice, produit par Katrina Squad et Noxious. Adolescence, je connais les risques. Oh my god! Si j'en avais déjà dans le but, je fais pas tout pour perdre la pute. Faut que c'est pur à la vie, des choix légaux à la brise. Les gosses, les proches perdus, sont tristes, sans mes rêves. Si j'écoutais mon cœur, je ferais des homicides, rien à foutre. Le morceau il parle de lui-même. Hein. Sûrement une des meilleures fins de l'album de... que j'ai pu entendre cette année. L'apothéose, c'est. En fait, c'est... j'aurais aimé que ça ne se termine jamais. Que l'instru continue sans s'arrêter. C'est. Il m'a laissé sur le cul là, putain frère, je sais pas quoi dire. Bon bah l'album du coup. Bah l'album pour moi il a tenu ses promesses. Il a tenu ses promesses parce que j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire une homogénéité, un album concept finalement. Concept dans le fond au niveau des paroles, au niveau des prestations d'SCA sur ses intonations, sur les intonations qu'il prend et sur la forme. Que ça soit les instrus, que ça soit les interludes, que ça soit aussi le sequencing de l'album qui est très bien fait. Franchement, l'album finalement nous raconte une histoire dont SCH est le personnage principal. Alors est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un anti-héros? Finalement, après chacun son interprétation. Mais je trouve que la réussite de cet album, ça a été d'avoir mêlé sa vie réelle, ses expériences, ce qui se passe dans la réalité des choses, et en donnant à tout ça une âme, comme on disait, de mythologie, une âme de légende. Et c'est pour ça que, franchement, moi, ce que je retiens de cet album, c'est qu'il est très théâtral, très poétique. Et qu'il y a énormément de choses à faire avec cet album pour le faire vivre très longtemps. Tu vois, donc comme t'as dit, il a fait une vidéo de 15 minutes là. Ouais, il a fait un tome 1. Voilà, un tome 1, et puis bah ça rentre très bien avec ce délire de tome, tu vois. Genre, on dirait c'est une. C'est comment dire. Une aventure. Donc t'as le tome 1, t'as le tome 2, je sais pas comment est-ce qu'ils vont après dérouler toute la promo de l'album, mais je pense qu'il y a quelque chose de très. Puissant et très riche à faire. J'espère qu'ils le feront parce que l'album il le mérite. Vraiment shout out à tous les beatmakers qui ont participé à l'album parce qu'ils ont tous délivré un superbe taf. Il n'y a pas une track finalement qu'on n'a pas aimé. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais, parce que c'est cohérent. Il n'y a pas un titre où on a dit ouais, bon, pas t'as ta réserve sur un des titres, mais t'as pas. Bah, à part mort de rire, à part vraiment mort de rire que je trouve aller un peu redondante, un peu trop longue. Ouais. Rien. Sinon c'est quand même 17 titres, 14 ouais. Et franchement là-dessus, chapeau à SCH, pour moi il a... En fait j'adore parce que on... quand tu... Moi tu vois je me suis refait toute sa discographie hier ouais. Et je trouve qu'en fait c'est la maturité du SCH qu'on avait sur A7 en fait. Ah ouais. C'est la maturité, c'est le SCH de A7 qui a grandi. Et qui du coup nous raconte son histoire. Et comme tu le disais, cette maturité à son âge, elle est incroyable et elle transpire en fait dans sa musique. Et ça donne quelque chose de tellement riche qui, je pense, à la réécoute, va prendre encore plus d'ampleur.
Ouais, alors moi, si je pouvais faire une petite nuance avec ce que t'as dit, je trouve que c'est plus l'agressivité d'Asset qu'il a mis au service d'un album concept. Dans l'interprétation, dans les phases, dans ses vocales, t'as l'impression qu'il y a il y a une motivation derrière tout ça, tu vois. Asset, il l'a dit, il l'a réfléchi pendant 10 ans, tu vois. Il peut pas refaire un Asset 2. Mais par contre, il peut faire un album concept qui n'a jamais été vu auparavant, tu vois. Et ce que j'aime, c'est que voilà, c'est limite une question de vie ou de mort quand il pose sur les sons, tu vois. Il y a de l'urgence. Il y a de l'urgence à mort, frère. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? C'est un album qui peut être très important pour le futur du rap français si des artistes souhaitent s'engager dans cette création d'album concept. Je tiens à dire qu'un album concept, c'est pas facile à faire. Il faut garder une ligne directrice de A à Z. Et grâce à des interludes, des intros, des outros, mais aussi des productions. Et on l'a vu sur les productions, tout est cohérent, tout est homogène, sans tomber dans la répétition, dans la redondance. Et ça, c'est quelque chose de très fort pour des producteurs, surtout quand ils sont différents. Donc certes, il y a Gulti en tant que chef d'orchestre de tout ça, mais on a Pyroman. Pyroman Beats, est-ce que vous l'avez déjà entendu avec une prod, avec une guitare sèche dessus? Non. Et c'est ce qui fait que c'est un projet qui a une identité, qui a une substance, de la matière. Comme tu dis, il y a tellement de choses à faire autour de ça. On peut lancer des mugs, on peut lancer des personnages, des figurines. Non, mais vraiment, c'est qu'il y a vraiment un univers. Et quand je dis que pourquoi les albums concept sont importants, parce que quand tu prends l'univers qui a été créé pour faire cette musique-là, c'est une histoire, ça peut être tellement, mais tellement développé au maximum. On parle de Relapse. Relapse, c'est un album concept. T'as Eminem qui interprète un serial killer, mais tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux en faire un film, tu peux en faire un livre, une série. Et là, SCH a réussi à le faire. Et c'est rare de voir dans le rap français, putain, mais il faut que je me rappelle d'un album concept dans le rap français, putain, il va falloir que je remonte, frère. Parce que un truc avec une histoire, le protagoniste, déchu, une chute, etc. C'est très compliqué à retrouver. En tout cas, comme j'ai dit, je pense que c'est le projet d'SCH le plus important de sa carrière pour moi. Alors 7 à 7 est comme un chef-d'œuvre, mais pour moi c'est plus simple de faire un album classique quand tu sors dès le début ton premier projet. Ouais. Parce que tu l'as mûri ce truc là, tu l'as digéré, tu le sais, tu l'as travaillé. C'est quelque chose qui t'a habité pendant des années et des années. Il l'a dit, j'ai écrit dans le noir à 7, ok. Mais refaire, essayer de créer un autre style, un autre truc, un autre projet, comme par exemple, Julius, c'est du génie, tu vois. Pour moi, Julius, c'est le Relapse de SCH, gros. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est qu'il s'est concentré sur un truc, il a pas cherché à... Parce qu'en plus, il y a de la prise de risque dessus. Tu vois, le morceau un peu pop, là. Mm. C'est de la prise de risque. Et il l'a intégré musicalement dans le corps du projet. Putain, mais qu'est-ce que c'est fort! Moi j'ai qu'une hâte, c'est de me réécouter le projet. Je suis chouk à mort, gros. Je suis chouk à mort parce que, enfin, tu vois, et bon, nous on le dit énormément, on aime les albums concept, mais enfin on a quelque chose qui arrive à terme. Tu vois, à terme, genre enfin le concept est réussi de A à Z, genre. Parce que c'est vrai que l'exécution est très difficile dans un album concept. Putain. Avoir l'idée de le faire et tout, c'est une chose, mais l'exécuter de bout en bout et c'est pas facile. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, comme tu l'as dit. C'est de capter, le mec il a pris quand même la doublure d'Al Pacino dans les films pour faire des interludes. Ouais, si c'est pas du génie. Voilà, et Nino, alors featuring excellent, mais putain, et Nino, mais je le vois avec sa dégaine de banlieusard, mais jamais de la vie il va pouvoir parler de mafioso, si. Tu vois. Et c'est pour ça que ces mecs-là sont des putains d'artistes. Et SCH, merci, merci d'offrir ça pour le rap français, d'essayer d'ouvrir des portes, d'essayer de donner des inspirations, tu vois. Il montre l'exemple. Il est inspirant, ce mec, c'est ouf. Et tu vois, quand il dit
Il dit à un moment, je sais plus sur quel titre, ces rappeurs sont mes enfants et tout. Ouais. Bah, ça serait ouf que d'autres rappeurs se mettent à faire des albums concept parce que du coup, cette line prendrait une autre ampleur. Ce serait un héritage. Ouais. Ah, franchement. Tu vois, ce serait vraiment un héritage qu'il aurait donné. Et ouais, parce qu'il y a des jeunes rappeurs. Ils sont artistiques, mais ils aiment trop s'éparpiller. Ouais, je veux faire un son Zumba, je veux faire un son machin. Concentrez-vous. Et c'est ça qui est important aussi dans la discographie des CH. Ok, t'as eu A7, t'as eu Deo Favente, t'as eu Anarchy. Mais au final, il s'est dit, attends, je me suis trop éparpillé sur certains projets. Maintenant, là, je vais faire un truc concis, cohérent, homogène. Et je vais essayer de faire rentrer l'auditeur dans une histoire. Gros, c'est trop. Et bah écoutez, dites-nous vous ce que vous avez pensé de Julius d'SCH. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas satisfait? Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager. Et aussi de vous rendre sur la chaîne Amine Hugo TV. La seconde chaîne, Elle a été lancée. Faut y aller là. Il faut y aller, il faut faire péter les abonnements. Donc il y a beaucoup de contenus qui arriveront dessus. N'oubliez pas aussi de vous rendre sur nos réseaux sociaux qui sont Amine Hugo, ça tient Twitter, Facebook et maintenant Instagram. De vous rendre sur le site écran-shop.fr pour vous procurer les t-shirts GOAT pour la culture et les heads en noir et en blanc de la taille S à la taille XL. Toujours à 19,90€ avec la livraison. Non, oui, un coca. Non, maintenant le sandwich. C'est le sandwich maintenant. Oh bah putain, on upgrade. C'est cher. Bientôt ça sera le menu même. Non, mais il y a juste une tranche de gruyère. Ah d'accord. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.